Vous suivez ça? Après la prière, la lame de rasoir est sortie, un bout de l'œil. After prayer, it bleed. Jésus a dit, je te donne ceux de la synagogue de Satan. Je les livre entre tes mains. Que Dieu les livre entre nos mains ce mois. Une personne qui n'aime pas qu'on prie contre les sorciers, j'ai la soupçon de sorcellerie. Allez dire aux gens que le prophète Ferdinand a dit que une personne à l'église qui est mal à l'aise quand nous prions que Dieu juge les sorciers. When we pray God judge wizards, je ne dis pas qu'elle est sorcière. I'm not saying if j'ai dit qu'il y a de fortes raisons qu'elle soit sorcière. I said it's possible they are wizards. Dimanche dernier, j'étais calmement à la maison avec l'enfant. Bon, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai décidé de regarder la télé. Je suis partie, j'ai mis Zoé Chanel parce que bon, je ne voyais pas ce que je vais regarder à la télé. J'ai regardé Zoé Chanel. Papa était en train de prêcher à Bertois. Lorsqu'il prêche, il demande aux fidèles de prendre de l'eau parce qu'il avait distribué les bouteilles d'eau. C'est là que je demande à l'enfant que ouais, s'il te plaît, prends-nous aussi l'eau dans la chambre. Elle me dit oui, maman. Elle prend. Nous sommes en train de regarder la télé. Papa prie, il déclare sur l'eau. Il dit que tout ce que les sorciers ont mis en vous, que tout cela va sortir au nom de Jésus. Vous allez voir ce que l'eau s'y va faire et tout. Papa a prié, déclaré. J'ai donc pris de cette eau, j'ai bu, j'ai donné à l'enfant, j'ai donné à mon grand frère, j'ai prêché, j'ai versé, j'ai aspergé ça à la maison. Après, bon, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai versé ça sur la tête de l'enfant. Après ça, bon, elle me dit, maman, mon œil, en regardant la télé, maman, mon œil, j'ai dit, ouais, laisse-moi un peu, c'est quoi? Maman, mon œil, j'ai dit, ouais, c'est quoi, non, laisse-moi. Bon, quand je regarde alors l'œil, j'ai cru voir une feuille. Quand je retire, je trouve que c'est la lame. J'ai juste rendu gloire à Dieu. Que le Seigneur punisse les sorciers et leur méchanceté. May the Lord punish wizards. The wickedness. Quand vous avez trouvé la lame, qu'est-ce que ça vous a fait? J'étais émue. J'ai remercié Dieu. Je me suis agenouillée. J'ai dit à Dieu merci. Merci beaucoup. Wow. À la maison. At home. À combien de votre raison en direct ce matin? Amen. Face à face. Maman, qu'est-ce que vous dites à Jésus qui vous a visité? What do you tell Jesus that visited you? Bon, ce que je peux dire à Jésus, c'est qu'il est merveilleux. J'aimerais le servir, continuer à le servir, moi et ma maison. Oh, gloire à Jésus. Que Amen. Dieu vous bénisse. Amen. C'est les troncs. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais eu la vision dans un songe où papa m'a dit va à tel endroit, à la quatrième génération. Il y a les incarnations qui a été faite sur votre famille depuis la quatrième génération, que vous ne serez rien dans votre vie. Et il m'a montré le papa avec les cheveux blancs. Et la prophétie s'est accomplie. On est allé jusqu'à la quatrième génération. On a déterré jusqu'à 2 mètres environ. On sortait les canaries. On a enlevé presque 3 canaries puisqu'on a vu que ce papa avait attaché nos destinées jusqu'à prendre la pierre de sa femme qui était notre maman la quatrième génération et faire les incarnations et enterrer la terre. On a enlevé les premiers 3 canaries. Quand nous sommes rentrés dans la même nuit, papa m'apparaît encore en vision et me dit, ce n'est pas encore fini, il y a encore les choses là-bas. Nous sommes retournés pour la deuxième fois. On a encore enlevé près de 4 canaries qui faisaient au total 7 canaries, comme vous voyez là. Et vraiment, je rends grâce à Dieu. Tu mets encore les canaries là.
direction. Qui m'appartient? Qui m'appartient? Qui a été retenu? Qui a été retenu? Dans les ténèbres. That, dans le monde des ténèbres. Dans le monde des ténèbres. Qui a été retenu? Qui a été retenu? Dans les Canaries. Dans le Canaries. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je récupère ma fille. I recover my life. Je récupère mon étoile. Je récupère ma destinée. Je récupère ma destinée. Ouvre la bouche, prie et récupère. Open your mouth, pray and recover. Commence à récupérer ce matin. Toute bénédiction. Toute destinée, toute grâce, toute faveur, quel que soit ce qu'on a enterré dans un canari, quel que soit ce qu'on a retenu en captivité qui t'appartient, c'est le moment ce matin, par le feu, par le tonnerre, tu récupères, tu arraches, tu reprends. Ouvre ta bouche, prie avec autorité, dans une sainte violence, ce matin, commence à commander la récupération. Arrache entre les mains de tes ennemis tout ce qui t'ont volé, quel que soit le lieu où l'on met, dans une calebasse, dans un canari, dans une bouteille, dans une marmite. Ce matin, tu ne rentres pas sans ta bénédiction, tu ne rentres pas sans ton mariage, tu ne rentres pas sans ta santé, tu ne rentres pas sans ta promotion, tu ne rentres pas sans tes diplômes. Ce matin, tu récupères par le feu, par le tonnerre. Tu récupères ce matin. Tu ne rentres pas sans cela. Quelles que soient les mains maléfiques et sataniques qui retiennent en captivité ce qui t'appartient, arrache ce matin. Arrache tes finances. Arrache ta promotion. Arrache ton élévation. Récupère ce matin. Merci Jésus.